Ben bien bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Alors je sais pas comment j'appellerai cette vidéo. C'est une petite annonce, voilà, c'est déjà de 1 pour vous remercier parce que la chaîne grandit énormément de jour en jour grâce à tous les gens qui mettent des commentaires, qui interagissent dans les vidéos. Et c'est vrai que la chaîne, j'ai l'impression que régulièrement j'ai une ou deux vidéos qui arrivent dans les vidéos recommandées par des gens qui regardent des vidéos War Thunder, si vous voulez. Donc j'ai des vidéos qui d'un coup se mettent à faire beaucoup de vues et donc ce qui me permet d'acquérir des abonnés, enfin des gens tout simplement, j'aime pas le terme abonné, mais des gens décident de suivre la chaîne, ce qui fait que la chaîne grandit de jour en jour, qu'on fait ben, finalement du entre 400 et 600 vues par vidéo, on va dire, allez, du 450-500, hein, pour prendre la fourchette basse, jusqu'à du 10 000, comme on peut avoir sur la vidéo sur quel avion jouer en 2021, par exemple. Ce qui fait que la chaîne grandit, et si on fait le ratio, on a au jour d'aujourd'hui 450 personnes, 457 personnes qui regardent les mêmes vidéos, le contenu que moi je fais, donc je trouve ça incroyable. Et donc tout simplement, si on regarde du 400-450 vues, 400-457 abonnés, c'est-à-dire qu'on a quand même une communauté qui est quand même assez soudée, même si je me doute qu'il y en a qui regardent pas, que c'est des gens qui sont pas abonnés qui regardent. Et donc là où je veux en venir, c'est qu'au fur et à mesure, on arrive ben, rapidement aux 1 000 vues qui sont demandées par la première étape du partenariat de Gaijin. Donc est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que ça vous intéresse pas? Alors peut-être qu'il y en a qui veulent pas. Qu'est-ce que c'est qu'un partenariat Gaijin? C'est tout simplement le créateur du jeu qui dit, bah, s'il y a quelqu'un qui fait des vidéos sur notre jeu, donc qui montre notre jeu à d'autres joueurs tout simplement, et qui fait 1 000 vues à peu près réguliers par vidéo, donc calculé, le J7W1 il a fait quasiment 2 000 vues, il y a une vidéo qui va faire 500 vues, une autre 10 000, une autre 3 000, ça fait à peu près du, je dirais, 700-800 vues, si on fait une moyenne sur la chaîne, je dirais. Eh bien, on a accès à première étape de partenariat, c'est-à-dire que je vais pouvoir demander des véhicules du jeu. Alors, pas des véhicules d'événement, pas des véhicules qui ont disparu, mais techniquement, si je me suis pas trompé, si j'ai bien lu, on peut demander un ou deux véhicules par mois en prêt. C'est 4 heures, 6 heures, une journée, une semaine, on ne sait pas. Un véhicule premium. Donc il va pouvoir me permettre, enfin qui va juste tout simplement laisser le temps de jouer là un peu, voilà, pour connaître le véhicule, faire une vidéo dessus. Et donc, étant donné que je recueille tous les commentaires des gens qui me demandent de faire des vidéos sur tel ou tel véhicule, par exemple il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo sur le Tempest, j'ai pas oublié, c'est juste que j'ai très peu de temps en ce moment, donc le Tempest, je l'ai beaucoup joué pendant un temps, j'ai fait une petite pause avec, j'ai essayé de le rejouer. Voilà, toutes les vidéos que j'ai pu faire m'ont été demandées, sauf le J7W1, Turnfight, etc. Parce que, voilà. Je note absolument tous les sujets de vidéos qui me sont demandés. Je vais essayer de me diversifier aussi. Il va y avoir des frag movies, il va y avoir des cinématiques, il va y avoir du char un peu, parce que je joue beaucoup char en ce moment. Donc je me dis en soi, un joueur qui me dit, qui va poster un commentaire, dire est-ce que tel véhicule premium est bien? Est-ce qu'à ton avis c'est une bonne raison de l'acheter? Eh bien, je peux littéralement envoyer un mail techniquement au créateur du jeu, dire bon écoute, j'aimerais bien avoir s'il te plaît le Yak 3 VK107, est-ce que c'est possible? Il me le donne pour 4 heures, je le joue pendant 3 heures, je fais une vidéo la dernière heure, je fais le montage dans la semaine et je peux vous faire une vidéo sur un circuit assez court finalement, dans un temps très 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 mince. Donc je pense que ça pourrait être une bonne chose. En plus, ils peuvent donner des Golden Eagles, ce qui me permettrait d'acheter en plus de ça d'autres véhicules en définitif. Bah, tout simplement, je pense, pour remercier du temps qui est passé pour chaque vidéo, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais pour une vidéo qui dure 20 minutes, bah, moi j'ai 5 ou 6 heures ou 7 heures, même plus de travail derrière. Donc ça fait pour moi un petit remerciement, et puis pour vous, ça vous fait des sujets de vidéo et une bonne aide, je pense. Donc est-ce que ça vous intéresse? N'hésitez pas, voilà, à dire si, voilà, si pour vous c'est une bonne ou si c'est une mauvaise idée. Donc si ça vous intéresse pas, je le ferai pas, bien entendu. Notez bien aussi que chaque commentaire, si vous mettez des j'aime, etc., ben, malheureusement, j'aime pas dire ça, mais ça participe au référencement de la vidéo. Donc plus il y en a qui vont discuter sur cette vidéo là, plus mes vidéos vont être mises en avant par des gens qui regardent le jeu, et donc plus potentiellement des gens vont s'abonner et vont faire des vues, etc., etc., et vont rapidement atteindre le palier. Donc c'était une petite annonce. Alors j'imagine que d'autres youtubeurs l'ont fait, moi c'est juste que ça me permettait, bah, voilà, de parler un petit peu plus de ce qui est actuel tout simplement.
Avec ce beau petit Mirage, Mirage 3C, j'aimerais bien faire une cinématique dessus s'il n'était pas aussi éclaté en 10.3. Hein. Et donc voilà, j'espère qu'en tout cas, vous, ça vous branche, parce que moi, perso, savoir que je peux avoir un véhicule premium, faire une vidéo dessus, alors que je ne pourrais absolument pas l'avoir en temps normal, bah, ça me branche très carrément, parce que c'est des avions qui sont généralement très spéciaux, très bizarres, très caractéristiques. Donc ça serait, je pense, un gros plus pour la chaîne. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, voilà, ce que vous en pensez. Merci beaucoup de tout votre soutien. Tiens, et puis à la prochaine pour une vidéo char avion, on ne sait pas. Bisous bisous.